Elle n'avait jamais fait de cinéma auparavant. Dans Masculin-Féminin, sorti en 66, Chantal Goya apparaît aux côtés de Jean-Pierre Léaud, Marlène Jobert et Brigitte Bardot, un rôle pour lequel elle sera plusieurs fois récompensée. Touchée par la mort de Jean-Luc Godard, la chanteuse de Bécassines revient sur cette expérience unique dans sa carrière. Elle dit « Je suis très triste de la mort de Jean-Luc Godard. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. C'était un grand visionnaire et un génie. Il savait regarder à l'intérieur de son artiste pour le ressortir dans un film. C'est très rare. Il était exceptionnel. Des gens comme lui, ça n'existera plus. Ce sont des personnes qui ont une grande sensibilité et une grande intelligence. » Malheureusement, je n'avais plus de nouvelles de lui. Mais je me souviens d'avoir recroisé Jean-Pierre Léaud dans un festival où Masculin-Féminin était projeté. J'avais demandé à Jean-Pierre pourquoi il ne l'appelait pas. Et Jean-Pierre m'avait dit qu'il n'osait pas. Aujourd'hui, je pense beaucoup à lui et à sa famille.